Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Dans ma maison de la zone médiévale du serveur de notre communauté. Oh, un PNJ qui s'embête pas, il traverse au milieu du chemin. Il y en a deux là qui discutent et maintenant du coup ils discutent à trois. Et derrière nous avons Lucie, mon petit chat. Oui, j'ai adopté un nouveau chat. Enfin, c'est plutôt j'ai pris mon chat, on a été faire des bébés avec les chats de race Phoddy. Et du coup, ben j'ai une petite bestiole en plus. J'ai un petit chat à Maui. Alors, oh pardon, à chaque fois je fais le coup, c'est pas vrai. Faut que je mette un petit bouton rouge sur ma touche, voilà. Donc j'ai un poulet parce que les oslots avaient mangé des poulets, voilà. Donc je laisse Lucie assise. Non, on va l'emmener avec nous. Et nous allons chercher. Allô, merci. Nous allons chercher Franqueur. Donc Lucie est la fille de Franqueur et Prune, je crois. Tu m'as suivi ou pas? Non. Bon, bah tu vas rester assise là. Allez, hop, comme ça on va être tranquille. Donc nous revoilà dans la zone médiévale du serveur. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue là. Et j'y suis revenue l'autre jour parce que gros ras-le-bol de pas réussir à adopter un oslo et ça m'avait saoulé un petit peu. Donc du coup et je suis venue là, je suis rentrée dans la maison et j'ai trouvé tout plein de petits chats. Oula, il est où le monstre? On l'a bien entendu. Est-ce qu'il est là-dedans? Peut-être, hein. Attends, on va déjà gérer ça. Non, ça c'est un cheval. Pas peine d'aller le buter. T'es bien parti pour, hein, quand même. Peut-être dans la maison, je sais pas. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et t'as même pas de tête, du con. T'as vu, il a pas d'œil. Ah si, il a des œils. Eh, reste là, oh. Bon, mais. Donc voilà. C'est ici que j'ai fait mon bébé chat. Avec bah oui, c'est Prune, voilà. Allez, go. Donc, on va se balader ensemble ici en vol, si j'y arrive. Oups. Dis donc, j'étais quand même assez. C'est Marc Phoenix qui a terminé la maison et il a fait un super beau mur. Oh, moi, j'adore. Alors, nous allons réfléchir ensemble à un truc. Bon, comme vous n'allez pas pouvoir me dire, là comme ça, votre avis, je pense que je vais prendre la décision seule. J'ai demandé à Lolik si je pouvais venir squatter un petit peu le serveur pour faire ma série de déco du dimanche. Parce qu'étant donné que ma map déco est morte. Et que là je désespère complètement et que je n'ai absolument pas envie de refaire une nouvelle série d'échos maintenant tout de suite sur une nouvelle map. Parce qu'une série de déco, j'ai vachement envie d'en refaire une, hein. C'est un concept qui me plaît énormément. C'est même un petit peu dommage que ça marche pas plus que ça. Mais ça me plaît vraiment beaucoup de faire des constructions, de les décorer. Et c'est génial, hein, ça marche pas trop. Et du coup, je vais m'emplafonner à toi dans 2 minutes. C'est pas tellement lourd, un hein, ordi là. Donc arrête un petit peu, on est sur le serveur, donc normalement ça va. Merde. Voilà.
Alors, on a une connexion internet qui est peut-être pas terrible. Marc Phoenix devait regarder avant que je commence à tourner. Et puis, j'ai pas patienté. J'ai oublié. Je viens de m'en rappeler au moment où je vous le disais. Et j'ai peut-être fait une connerie. J'aurais peut-être dû attendre. Oh, tant pis. De toute façon, on va rien faire de très formidable. Je veux juste voir ce qu'il y a derrière la gare. Donc ici c'est la gare. Et voir après le village de PNJ qui se trouve ici ce qu'il y a. Et on va attendre. Ah, il y a un petit pont. Ah, un petit pont qui s'arrête là. Eh ben. Pourquoi ne pas faire une zone plane ici? Wow. Et me permettre ici. Oh la vache, va falloir raser, hein. Wow. Oh, ça serait dommage. C'est ça qui m'embête de faire ma map déco ici, c'est que on va raser une partie du terrain et parce que là, si vous vous souvenez, sur ma map déco, j'avais commencé à faire une place gigantesque et j'ai très envie de la continuer, voire de la finir. Attends. Ben non. Ouais, ben tant pis. Non, je pensais que c'était plus creux. Et de gérer ça comme ça. Merci, hein. La musique dans Minecraft, c'est bien beau. Ou alors là, ici, par exemple, partir de d'un endroit plat comme ça, genre ici. On va sauver un mouton. Attendez. Petit mouton. Voilà. Viens, petit mouton. Non? Il va tomber, le mouton. Non? Ouh, ça pue le monstre ici. Attends, je vais prendre une torche. J'en ai plus dans les mains. J'ai un poulet. Normal, hein? Normal. Orphéal se promène avec des poulets. Hé! Hey! Là, c'est pas la connexion, c'est pas mon ordinateur, c'est ma souris. Mais bon, il y a toujours quelque chose qui déconne. Eh, hey, ta gueule, toi! Oh! J'ai dit, tais-toi. Non, mais. Il y a toujours quelque chose qui déconne. C'est casse-pieds, les ordinateurs, quand même. Là, c'est non, mais c'est ma souris qui va pas bien, qui est très malade, qui est très vieille, qui est très utilisée également. C'est super beau. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais faire, hein, mais c'est pas grave. Je l'ai fait quand même. Oui, bah. Je suis montée par où, moi? Par là? Attends, j'aurais aimé ne pas, voilà, trouver tout le bordel. Et remonter, éviter de remonter en trouillotant tout ce qui est possible et imaginable. Et là, le zombie, il dit merde, j'ai pas réussi à la suivre. Bon, là, je vais voler. À la base, on a sauvé un mouton, que bébé. Alors, ben, le mouton est sauvé. Bravo, le mouton! Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, là par exemple, pourquoi pas faire une zone plane ici sur l'eau. Faut juste que je calcule la taille de ma place pour voir un petit peu ce qu'il me faut. Et là, je viens de penser à un truc, mais.
horrible. C'est que j'ai complètement omis de me coucher pour retourner dans la zone médiévale Finger in the Nose. Eh oui! Orphéa, le jour où elle utilisera son cerveau entièrement, on le saura. Dis donc, ça doit être méga grossement habité là, non? C'est très très magnifique. C'est superbe. Oh la vache. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Alors l'autre jour, vous m'avez demandé pourquoi une fois de temps en temps j'efface la barre qui est en bas. C'est parce que je fais des captures d'écran. Donc là, par exemple, regarde toutes les fleurs qu'il y a. J'ai des captures d'écran pour mettre sur mon blog. Hop. Et là, je pense qu'en voulant retrouver la zone médiévale, je vais jamais la retrouver. Et je vais faire slash home et retourner. Ah, si! Oh, t'as vu ça un peu. Non mais Orphéa, elle est trop forte. Donc c'est juste par là, à la fin du pont, là, qui n'est pas terminé. T'as vu, il y a une grotte là-dessous, hein. Oui, les petits démons, les zombies, les démons. Il y a une mine, non? Non, c'est pas... Donc à la fin du chemin qui n'est point terminé, et là c'est quoi? Oh. En fait, ça fait hyper longtemps que je ne suis pas revenue ici, alors que c'est le point de spawn où tous les nouveaux arrivent. Donc, c'est pas bien. D'accord. J'ai cru que j'avais reperdu. Donc ici, on a le chemin qui n'est pas fini. Et moi, il faudrait qu'on fasse une zone plane. J'ai pas envie qu'on démolisse tout, mais à la limite, s'il y a possibilité, il faudra que je vois ça avec Lolic et puis Marc Phoenix. S'il y a possibilité que je fasse ma zone plane là derrière les montagnes, quand on trouve de l'eau. Donc on peut la faire sur l'eau. Ça éviterait de raser une montagne complètement, même si je sais que c'est pas difficile à faire pour avec World Edit. Mais c'est juste pour pas bousiller la map, quoi. Ça m'embête. C'est pour ça que quand je fais mes maps de déco, je suis toujours sur des maps planes. Bon, n'importe quoi. Parce que je viens de voir que j'avais pas fermé ma porte. Donc je ferme ma porte. Hop là. Et puis... Le tout petit chemin là. C'est la maison de You qui est ici. Et là, la maison de personne, parce que la maison a explosé à cause d'un creeper. Et bref. Donc comme ça me permettrait d'être un petit peu plus près du village de PNJ. Attends, il est où le village de PNJ? Je suis un peu perdu là. Parce que là, on arrive où? Excusez-moi, ça lag, hein, parce qu'elle a du mal à télécharger l'image. Pourquoi nuage détaillé? C'est quoi détaillé? On est marre. Il déconne complètement mon Minecraft, il se démonte tout seul, luminosité vive.
Particules. Mouvement de tête. Ouais. Hier, j'ai bu du rhum. Dans Minecraft. Mais je me rappelle plus comment il a fait hier, Mark Phoenix. Alors. Parce que là, ça lag à mort, je m'en sors pas. Là. J'arrive même plus à voler. Minecraft de merde! Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Et comme je suis une espèce d'andouille sur pattes et que je me rappelle jamais ce qu'il faut faire. Un lapin! Putain, je me suis demandé c'était quoi ce bloc. Je trouvais ça génial. PNJ, vous êtes par là peut-être, non? Maintenant, on a déjà regardé. Il y a un village de PNJ quelque part. Mais où? Je sais plus. Par là-bas? Peut-être. Ben non, il n'a pas disparu le village de PNJ. C'est pas possible. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Je pense que j'ai trouvé où ma série de déco va se poursuivre. J'ai demandé à Loli qu'il y a 2 jours si je pouvais prendre son serveur, parce que c'est le serveur de Loli quand même. Serveur de la communauté, mais avant tout le serveur de Loli. Si je pouvais faire ma série de déco ici, parce que j'ai pas envie de refaire encore une map, j'ai pas envie de me réinvestir quelque part et puis que ça replante. Là, je suis un petit peu. Ma série de déco, j'ai complètement au travers de la gorge. J'ai pensé à un truc cette nuit, mais bon. Attends. Ah, j'ai cru que c'était un Enderman. N'importe quoi, c'est un lampadaire. Le lampadaire, c'était moi. Que ceux qui connaissent la blague lèvent la main. Et si vous connaissez la blague, vous êtes des bonnes personnes qui avaient un bon humour. Voilà. Donc ça, c'est donc ma maison moche. La zone moche à Sagar, mais je ne sais pas si elle va perdurer très longtemps. Qu'est-ce qu'on a derrière la zone moche? Parce qu'à la limite, derrière la zone moche... Ouais... Je vais pas m'installer derrière la zone moche, c'est Marc qui m'a dit ça. Il m'a dit, sinon, derrière la zone moche, tu peux t'installer. Et pareil, quoi, il y a des champs, il y a plein de trucs. Et des petits cochons. On peut démolir le terrain des petits cochons. En plus, si je reconstruis sur le serveur, il va falloir que je mette masse de lumière partout. Oh non, on va pas démolir un biome avec des champignons géants. Non, non. Non, non, l'endroit que j'ai trouvé me plaît plus. Non, puis il y a beaucoup de forêts. Le serveur est très beau, alors ça m'embête de gâcher. Là, on a un marais. Il y a une petite grotte. Oh! J'adore les grottes comme ça parce que je me dis que les monstres ils ont du chier dans leur culotte quand on est arrivé. Ouais. Quoi? J'aime pas les monstres. Ah. Hop. Ouais, non, on va pas démolir tout ça. C'est pas possible. Non, je vais m'installer à un endroit où on a de l'eau et... Et de toute façon, ma map de déco, quand j'aurai trouvé comment faire pour la récupérer, sera mise sur un serveur.
Ma map à moi de déco. Bon, déjà parce que Marc m'a proposé de m'aider. Plusieurs membres de la communauté m'ont proposé leur aide le jour où je referai ma map déco sur un serveur. Ce qui est chiant, ce qui m'énerve, c'est que j'avais prévu que de l'ouvrir à Noël. Et on aurait pu jouer ensemble pendant les vacances de Noël. C'est trop merveilleux, ça. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à faire de la déco, hein, parce que je trouve que le jeu se débrouille très bien tout seul, hein. Il y a quand même des choses superbes. Bon. De toute façon, ma vidéo va pas durer 50 ans. Oh, putain, ça fait déjà plus de 20 minutes là. Ma vidéo va donc pas durer 50 ans, mais on a déjà fait 20 minutes. J'avais dit 10 minutes, un quart d'heure. Parce que c'est pas le tout, hein. Marc Phoenix, ça fait des cookies au chocolat. Hier après-midi. Tout le monde s'est servi tout à l'heure et moi j'ai dit non, je mange pas tout de suite. Mais faut aller vite avec les cookies au chocolat. Ouais, même là, ça fait une grande plaine, alors que dans une plaine, quelqu'un qui arrive sur le serveur, pof, il peut faire sa maison là. T'as une forêt, t'as des petits cochons. C'était quoi ça? Ah! C'est une grotte sur le couche. Ok. Sur le coup, j'avais cru que c'était une sorcière. Putain, t'es un putain de lapin, tu m'as fait trop peur. Oh, c'est pas beau ce que tu dis, Orphéa, mais il m'a fait peur. J'ai cru que c'était une sorcière ou je sais pas. La sorcière lapin. Ou le lapin sorcière. Bon, bref, on veut dire des conneries. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Là, les champs ne fonctionnent plus. Les pauvres PNJ n'ont rien à faire. Attends. Et je sais, j'ai un gros cul. Je suis installée là comme une. Comme un éléphant. Et ils ne replantent pas les graines, les PNJ. On est en 1.8, donc normalement ils doivent replanter les graines. Peut-être c'est des grosses feignasses, hein? Vous voulez qu'on vous offre quoi? Des casques en or? Peut-être, hein? Et regarde, ils disent, putain, la vache, on va avoir du taf. Pourvu que ça pousse pas trop vite. Oh non, je veux pas travailler. Oh mon dieu. Ah là là. Bon, allez. Sur ce, et oh. Dis donc. Tu m'as surpris, toi. Je vais vous laisser avec, je l'espère, une bonne nouvelle à vous annoncer dimanche prochain. Sur le serveur, quand j'aurai commencé à faire un petit peu des choses, rien que vous montrer la zone qui m'aura été réservée, et puis je voudrais juste vous inviter à faire quelque chose sur YouTube. Hop, je vais vous mettre le lien. Oh putain, vache, je suis belle là. Le lien de sa chaîne dans la description de ma vidéo, c'est d'aller voir la chaîne de The Ernesto 97. Je l'adore, c'est mon youtubeur préféré. Et franchement, il fait des vidéos, mais c'est juste monumental. Il fait la série Genesis Hunter Z.
Je l'ai découvert il y a plus de 3 ans et demi que je le suis. Et c'est un jeune homme qui fait des vidéos, mais j'adore trop. Et je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne parce que ça vaut vachement le coup. Bon, c'est pas Orphéa, hein. C'est pas la même chose, là. Il y a vachement du monstre, il y a vachement du suspense, il y a vachement, à un moment, t'as un peu les larmes qui montent. C'est quelque chose, hein. L'épisode 18, là. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal. Oh, le téléphone sonne, alors Orphéa vous laisse. Je vous embrasse bien fort, à la prochaine, à plus tout le monde.